Elle vient du Botswana. Très bien. Et bon, on avait voulu aussi associer les anglophones. Donc, on a deux anglophones dans la délégation. Il y a Maxi Sedumedi du Botswana. Mm-hmm. Et il y a Djedou Blé Mbolé aussi du Ghana, qui est venu, qui sont anglophones. D'accord. Et comme nous, on n'est pas bon en anglais, là, on fait attention. Vous allez prendre le micro, please take the microphone. Go ahead. Voilà. So, merci d'être là. Thank you for being with us today. So, what would you like to say? First of all, I want to thank the television station, the organizer for More 7. Je voudrais d'abord remercier toute l'organisation. The viewers. Mm-hmm. So, and I'm blessed to be here. Elle est contente I'm d'être excited. Là. Elle est très contente en tout cas d'être là. Mm-hmm. Could you please sing something? Okay. Est-ce qu'elle peut chanter quelque chose? Somebody help. Somebody help. Somebody help. Those who don't have. Look at Farmer 7. They are giving to the underprivileged. You to it a calling. For you to share. Bravo. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Nice day in Côte d'Ivoire. Thank you very much. You're welcome. Et par ici. Par ici, vous avez à côté de moi mon cher frère Fode Baro, je peux avoir le micro, s'il vous plaît. Qui est venu représenter la Guinée, mm-hmm. un ami du groupe Banditista. Mm-hmm. Je dirais, mon frère, je suis très heureux et très fier d'être parmi à tes côtés. On se connaît depuis quelques années, comme tu viens si bien de le dire. Vous êtes un exemple. Je l'ai dit sur toutes les chaînes, RFI, et parce qu'il faut encourager les idées aussi fort comme ce que tu viens de placer, qui doit être un exemple pour nous tous. Merci bien. Je vois aussi en toi que tu es une incarnation d'une réconciliation de l'Afrique, parce que cette initiative que tu viens de placer n'est pas que venir chanter. Non, c'est un brassage de culture également. Tu as donné l'exemple, ça c'est l'exemple que tu viens de donner à nous tous, que l'Afrique, la culture africaine est une famille. Si on veut, on peut. Tu as prouvé, je pense qu'on doit t'accompagner. Je suis fier d'être là. Merci. Et je t'accompagnerai jusqu'au bout, parce que nous avons tous eu quelque chose, mais il y a beaucoup qui en ont eu plus que toi, qui n'ont pas eu l'idée d'accord. d'apporter aux autres. Très bien. Merci mon frère. Merci à vous. À chaque fois, on continue. Oui, lui, je crois que j'ai plus besoin de le présenter aux Ivoiriens. Il est très bien connu des Ivoiriens. Mm-hmm. C'est Ferregola. Mmh. qui est venu représenter la République démocratique du Congo. Ben, comme le grand frère vient de le dire, donc Ferregola, ça c'est, je pense, c'est la troisième fois ou quatrième fois que je suis venu. Mmh. Donc c'est une occasion aujourd'hui que je vais prester devant tous les Ivoiriens en public. Donc moi, c'est un honneur pour moi et j'encourage le FEMIA. Donc voilà. Très bien, merci. Juste à côté, Djedou Blé Mbolé qui est venu représenter le Ghana. C'est pas une personne étrangère aussi en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Mm-hmm. Thank you very much, and I want to thank FEMWA and the people of Ivory Coast. Je voudrais remercier le FEMWA et le peuple de Côte d'Ivoire for inviting me here. Pour l'avoir invité Though ici. My half is also from Ivory Coast, because my half is from Grand Bassam. Mm-hmm. Son cœur est également d'ici, et sa moitié, parce qu'il est moitié de Grand Bassam. And I'm very happy to be here because. To bring all these artists from different countries. Il est très content d'être là et que tous ces artistes venus d'horizons divers se rencontrent tous ici en Côte d'Ivoire. It's something that we need to keep et c'est quelque chose qu'il faut pérenniser because it brings us all together. Parce que ça rassemble tout le monde. And I'm very happy for Safo to be able to invite me to come. Il est très content que Safo ait pu l'inviter pour qu'il puisse venir. My music is very popular here. Sa musique est très connue ici, avant même qu'il ne vienne. Because some of my music is from Mama Now, Stamakwa, Kwamuti, Sumana, Stamana, it's already here. So sa musique est déjà très présente ici. So now they're going to see me face to Maintenant, face. Vous allez le voir vis-à-vis. Thank you very Thank much. You very much. Et on va terminer avec les deux personnes là-bas. Oui, à côté, vous l'avez bien constaté, c'est le Dupont. C'est sa première venue en Côte d'Ivoire. Très bien. Et elle avait voulu saisir l'occasion de l'invitation du FEMUA
pour pouvoir rencontrer son public ivoirien. Mm-hmm. Donc elle est là avec nous, elle a interrompu une tournée au Canada pour venir. Très bien, d'abord merci. Alors c'est moi qui vous remercie parce que comme mes collègues l'ont si bien dit, au jour d'aujourd'hui c'est l'Afrique qui se retrouve en Côte d'Ivoire et pour moi c'est une opportunité. J'ai toujours rêvé d'être en Côte d'Ivoire et comme le dit quand il y a espoir il y a la vie et pour une première fois je me retrouve dans un si grand podium que tous les jeunes artistes d'aujourd'hui rêvent de prester. Je voudrais dire merci à Salfo Magic System. Et moi, je représente le Cameroun. Très bien. Et je suis fière de représenter mon pays. Et chaque fois que je vois un Ivoirien, je vois la gaieté, la joie de vivre. Ah et ben pour moi, ça me permet de découvrir cette joie de vivre avec le public ivoirien. D'accord. Aussi d'essayer des échanges. Parce que le FEMUA, c'est aussi pour venir en aide, pour essayer de s'échanger. Alors si j'aurai l'occasion aussi, j'ai déjà eu quand même l'occasion de rencontrer des fans, des jeunes filles à qui je peux apporter des conseils de ne jamais perdre espoir, de toujours croire et de toujours persévérer. J'apporterai mon soutien à ces jeunes. Merci à vous. Nous allons terminer avec le Burkina. Ça, oui, c'est un Bob du Burkina Faso. Il est venu représenter le Burkina. Vous êtes censé savoir que c'est la plus forte communauté en Côte d'Ivoire. Donc il a un rôle important à jouer. Donc voilà, il est venu au nom du Burkina Faso. Ah, Bob Sala. D'abord, je tiens à remercier à tous les Ivoiriens. C'est là que j'ai commencé ma musique. C'est un honneur pour moi de dire merci à mes parents adoptifs ivoiriens. C'est qui m'a donné la chance aujourd'hui de représenter mon pays valablement. Au Burkina Faso, je prononce haut et fort. Il y a milliers d'enfants aujourd'hui qui ont eu la chance d'être nés en Afrique, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et puis ils aiment ça. Donc moi, j'étais victime. Ça fait un peu de courant. Mais je lance un appel à tous les parents. Ce n'est plus un devoir pour un parent d'amener son enfant à l'école, mais c'est une obligation. Et c'est que le FEMUA aujourd'hui, s'il n'y avait pas de FEMUA, il y a quelque chose qui nous manquait. Mais grâce à FEMUA, nous allons pouvoir communiquer avec le parent. Chaque enfant qui aura la chance d'être né en Afrique doit donner la chance d'aller à l'école. D'accord. Vive le FEMUA, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, les dates, à Salfo, le rendez-vous du public? Le rendez-vous du public, c'est déjà à partir de ce soir. Très bien. Donc, le premier grand concert aura lieu ce soir, à partir de 21h. Mmh. Pour ceux qui sont à l'étranger, grâce à la RTI qui est partenaire, ils pourront suivre les concerts en direct. Voilà, sur tous les trois jours, ils pourront suivre les concerts en direct. Ça pourra permettre aussi aux différents artistes ici de se faire voir dans leur pays et que les pays sachent ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera bien. À partir de 21h, ça commence. Mais l'animation au village commence déjà tout à l'heure à partir de 15h. Parce qu'à partir de 15h, toutes les autorités vont venir. C'est à 15h que nous allons offrir l'école, la nouvelle école maternelle au village d'Anomambo. Très bien. Donc, après cette cérémonie d'ouverture, le grand concert va commencer vers 21h et ça va aller jusqu'au petit matin. C'est pareil pour demain. Demain aussi, il y aura un très grand concert qui va commencer à la même heure, toujours à Numambo. Et samedi, on va faire l'apothéose au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Mais avant samedi, demain matin, nous allons courir parce que le feu mieux, il y a aussi le sport. Donc, qui dit sport dit santé. Donc, tout le monde doit venir demain matin à partir de 6h30 parce que le départ sera donné à 7h au complexe sportif de Yopougon pour qu'on court ensemble. Donc, on attend tout le monde et à Yopougon et à Numambo parce que tous ces artistes-là se sont déplacés pour être en contact avec les populations. Et tout à Numambo les attend. Rien qu'au balance, on a vu un public comme si les concerts avaient déjà commencé. Et ça veut dire qu'il y a vraiment une effervescence. Et à Numambo sera content de les accueillir. Très bien. En tout cas, je pense que le moment est venu pour nous de l'applaudir, de le remercier. C'est un enfant d'Anoumabo et qui a eu une idée, une vision et qui a souhaité que les enfants d'Anoumabo qui n'auraient peut-être pas l'opportunité de rencontrer toutes ces stars puissent le faire régulièrement, chaque année. Et je pense que vous méritez toutes nos merci beaucoup. Merci. Avec bien. Tout le groupe Magic System. Tout le groupe Magic System. Voilà. Merci à vous. Merci d'être venu. Plein succès. Plein succès à vous et puis j'espère que vous allez revenir bientôt sur nos différents plateaux. Merci à vous. Merci beaucoup, Maria. Nous avons une courte pause musicale après ce groupe donc venu pour le FEMUA. On se retrouve juste après. Thank you.
Nous sommes de retour en studio et c'est ce grand spectacle d'humoriste, de l'humoriste magnifique dont nous allons parler. Et pour ce faire. Oui, c'est encore moi, Philippe Asso. Voilà. Bonjour, Marie. Philippe Asso, bonjour. Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs de RTI1. Nous sommes bien évidemment là, mesdames, messieurs, depuis maintenant 3 jours, nous passons l'information. C'est ce dimanche, à partir donc de 11h, au Palais de la Culture de Trècheville, concert géant avec le magnifique. Quand on parle du magnifique, c'est d'abord l'humour, mais attention, il y a également de la musique et le magnifique sera là avec un orchestre en live. Ce midi, il est arrivé avec une guitare sèche, juste pour montrer juste ce qu'il va faire un peu ce dimanche-là. Ça sera. Il a commencé déjà. Dis-moi pourquoi. Ebola, 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 Tazana, yo. On est bien en direct. Suis-moi, c'est répétition. Alors, magnifique. Oui. Voilà. Dites-nous tout. Oui. Alors, c'est pour dire dimanche, après demain, là. Aujourd'hui est vendredi. Demain, c'est samedi. Oui. Après demain, dimanche, à partir de 11h, on va gâter le coin au Palais de la Culture. On va aller, on va s'amuser. Je suis avec la star du moment. L'homme qui tue, tu fais. Bonjour, comment allez-vous? Ange Faro, oui. Grand style. Hein. Il va tuer. Oui, les ça. Léopards d'Isaïe. Les gens, dimanche à partir de. Midi. Midi. Oui. C'est la première. Voilà. Palais de la Culture. Palais de la Culture. Palais de la Culture. Le spectacle, comment ça s'est passé? Donc, c'est le danseur spécial. C'est lui que j'envoie. Déjà, lui fait le buzz sur Internet. Ange Faro. En ce moment, tout ce qui est clip vidéo des artistes connus, reconnus en ce moment à Abidjan cherche bien évidemment l'image de Ange Faro. Et ça marche fortement pour lui et ça marche pour tout le monde. Ça, c'est une tenue anti-Ebola. Il a porté comme ça. Si tu penses ça, tu ne peux jamais avoir. Donc, finalement, moi je pensais que tu étais guitariste vers la fin. J'étais guitariste, regarde. Il a coupé les cordes là, c'est pas pour moi guitariste. En tout cas. Elle est rentrée en Brousseau, c'était ma copine, elle s'appelle Déborah. Elle est sortie aujourd'hui, elle a changé de nom. Ebola. Déborah. Ibora Mio. Ebo. Monsieur Asso, alors dites-nous tout, les tickets d'entrée. Les tickets, 5000 francs, VIP 10000 francs dans le circuit habituel. Et puis à Radio Ngoa, si vous êtes à Kumasi, je rappelle que votre ticket vous donne droit à un plat de garba. C'est-à-dire, on va dire, couscous du manioc avec poisson frit à l'huile. Bon, d'accord. Un plat de garba, bien connu à l'ivoirienne. Et puis, une boisson fraîche. Ah, c'est le garba qui est le couscous. Oui, le couscous de manioc. D'accord. Cuit à la vapeur. Couscous de manioc cuit à la vapeur. Déshabillé de banane plantain pour dire la loco. Voilà. D'accord, c'est le même style, ok. Donc, c'est ce dimanche à 11h. Venez tout le monde, venez tous donc parler de la culture pour vivre donc le spectacle de Magnifique. Les tickets sont toujours en vente sur place. Oui, on trouve les tickets au Palais de la Culture, mais déjà dans le circuit habituel. Habituel, ok. Voilà. D'accord. Et, comme je l'ai dit, à Radio Ngoa Kumasi. Les numéros de téléphone 40 00 80 42 ou encore le 47 49 78 79. Alors, la petite surprise pour on va ce conclure dimanche, avec. Il y aura un grand animateur. Animateur télé et radio, animateur surtout de télé-réalité. Il est ivoirien, il vit en Côte d'Ivoire, mais vous le verrez donc dimanche. Il sera donc avec nous au Palais de la Culture. D'accord. Rendez-vous à quelle heure, vous avez dit? 11h. Tout le monde, 11h. Tout le monde, 11h. Salut, le maquis est ouvert à 11h. À 11h, en même temps. Vous venez consommer ou manger jusqu'à le commandant même va monter. Parce que là, je suis en promo à Ondotré. 3 à Gouti à 400. 8 éditions à 250. Quand je pense que je vais faire ça. À chaque achat, tu as une chauve-souris en bonus. Quand je pense que je l'écoutais sérieusement. Et les invités sont nombreux à attendre. Et puis toi, tu parles de combien d'agouti? Bon, alors là.
2 Agouti à 100 francs, mais il n'y a pas de primaire. Allez, on était pas loin, tout maudit à la gare. Agouti se promène parmi les gens, il n'y a pas l'homme pour le toucher. Bon, merci beaucoup. Rendez-vous dimanche pour Magnifique. 11h, tout le monde. Oui, 11h, hein, 11h, c'était au Palais de la Culture. Oui. Les tickets sont à 5000 francs, voilà. Lieu habituel, voilà. Et puis sur place. Celui qui est devant toi, il a payé 10 000, que tu as payé 5 000. S'il a fait afro, tu es mort aussi. Il faut venir à 6 ans. Ange Barreau. Bon, au revoir. C'est une courte pause musicale et nous recevons encore notre DCM. Hein. Merci. Nous recevons M. Nimignon Npiko le Mignon. Bonjour monsieur. Bonjour Marianne. Vous nous parlez des 40 ans de Rosemary Guiraud. Oui, effectivement, 40 ans de Rosemary Guiraud, mm-hmm. C'est pas 40 jours ni 40 semaines. Tout à fait. Et ça fait 40 ans qu'elle est sur les planches, qu'elle est sur la scène. Donc aujourd'hui, j'ai été vraiment dépêché pour venir parler de ça, d'accord. De ces 40 ans qui auront lieu mm-hmm. le jeudi 10. Très bien. Avril. Très bien. Et ces 40 ans, en quoi est-ce qu'ils vont consister? Voilà, ces 40 ans, vous savez que la culture, l'art même africaine, plus précisément, Rosemary Guiraud est la première dame, la première africaine, plus donc ivoirienne, à mettre sur place un groupe de danse. Tout à fait. Donc son centre qu'on appelle le DEC. Mm-hmm. Et ça fait 40 ans aujourd'hui, depuis 73, ça fait 40 ans. Mm-hmm. Donc ces 40 ans, elle va parcourir tout ce qu'elle a vécu. Mm-hmm. Tout ce qu'elle a vécu comme la culture. Parce que la culture, c'est la culture qui fait un monde, qui fait un pays. Très bien. Alors, dans cette grande dame, aujourd'hui, je suis là, pour de long en large, je parle de ces 40 ans. D'accord. Ce que l'on va faire, voilà. C'est, avant de vous laisser poursuivre, nous avons un élément à ce sujet oui. Que nous allons proposer à notre public. Alors c'est impressionnant, ce sont des images récentes ce que l'on vient de voir. Oui, l'une des, à peu près, c'est une image récente. Ouais. Très bien. Voilà. Mais ça veut dire qu'avec les années... Avec les années, depuis 1973, avec les années, mm-hmm. cette grande dame que vous mm-hmm. venez de voir, mm-hmm. elle tient toujours sur ses jambes. Tout à fait. À cet mm-hmm. âge, vous savez qu'on dit qu'on ne donne pas l'âge d'une dame, mais moi je vais te donner son âge. Mm-hmm. Donc à cet événement, Rosemary Guiraud a beaucoup... fait pour l'art, pour la culture ivoirienne. Tout à fait. Elle a beaucoup voyagé dans le monde entier. Mm-hmm. Et elle était même rentrée après tout juste, après 14 ans qu'elle est de retour. Mm-hmm. Et 14 ans de retour, il faut mettre le centre Le DEC en valeur. Il faut faire connaître tout ce qu'elle faisait depuis les 40 ans. Le 10, j'ai dit bien le 10 avril, le jeudi, avec toute sa troupe.
le Guérivoire, pour vraiment faire rappeler à toute la nation qu'elle est toujours là, en pleine forme. Donc le rendez-vous est pris pour le 10 avril prochain. Le 10 avril. D'accord. Et le 10 avril, il aura. Et puis là, parce que je vais donner le programme. Ou pas de cours, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Non, le programme n'est pas long. Hein. Le programme, vous savez que ça commence tout juste le jeudi à 9h, pour 1h du matin. Tout juste exposition des choses, des ventres des objets déjà. Mm-hmm. Et ce qui est encore nouveau, il y aura des objets déjà qui seront exposés. Mm-hmm. Avant le jeudi, déjà, il y aura des objets déjà qui seront exposés. Mm-hmm. Et tout à fait, le 9h, accueil des invités. Mm-hmm. Et après, installation des invités, tout juste qui se fera à 19h30. Mmh. Et à 20h, tout juste au début de la cérémonie. Et 20h30, vous avez l'allocution. Et 20h30, vous avez la projection du film et tout. Et avant le dîner, il y aura à tout le coup des prestations du groupe de Guérivoire. D'accord. Voyez-vous. Donc, c'était vraiment, c'est toute une panoplie de présentations. Et puis, Rose Marie Guiraud aussi invite tous les artistes, avec les artistes qu'elle a fait le parcours de ses 40 ans. Il y a eu des parce qu'elle fait le théâtre, pas seulement que la danse. Il y avait des noms, par exemple, les invités, vous avez Gay Thomas, vous avez Baïs Pinto, vous avez Alpha Blondie, vous avez Tibus Tubus, vous avez Néan Kabel, vous avez Antoine Conan, tout ce monde, Frédéric Mewé, oui, Alia Allah Thérèse, et tout. Mm-hmm. Vous avez Guédéba, vous avez tout ce genre de Zahu. Mais vous avez sûrement un téléphone qu'on pourrait donner Le téléphone qui a donné, effectivement, son téléphone, mm-hmm. c'est le 47 23. 63, 50. Donc, le lieu de cet événement. Le lieu de cette cérémonie sera tout juste à la Palmeraie, Riviera Palmeraie, tout juste dans le centre Le Dec, son école. Dans son école, même. Voilà. Le 10, vous avez dit. Le 10, le jeudi 10. À quelle heure? Tout juste à partir de 9h, ça c'est le matin, même si la cérémonie commence à 19h30, déjà la cérémonie. À partir de 9h, parce qu'il y aura l'exposition des objets déjà, les dards qui seront exposés. Donc, à partir de 9h déjà, les gens commencent à venir. Très et bien. La cérémonie nous demande à 19h30. Et vraiment, j'invite toute la nation. Vous allez conclure avec, s'il vous plaît. Voilà. J'invite toute la nation, toute la Côte d'Ivoire, à être présente ce jour. Ce jour-là, Marie-Guerreau Rose va présenter ses 40 ans très bien. D'artiste. Vous nous rappelez le téléphone, monsieur? Le téléphone, c'est le 47 23 63 50. 47 23 63 50. Merci à vous. Tout le monde est invité. Tous les artistes. Tous. Merci et la RTI, la Fraternité Martin, tout le monde est invité. Merci bien. Voilà. Monsieur John, pardon? J'oublie personne. Très bien. C'est toute la Côte d'Ivoire. Merci bien. Monsieur John Nikwe, monsieur bonjour. Bonjour madame. Il est avec tonton Zéla, bonjour. Bonjour. C'est une soirée de reconnaissance et de remerciement, on vous écoute. Oui, effectivement, le président Belgique chez Fermé, le Maquis Vieille, puis le Sas de France Plus, convie toute la population abidjanaise et les mélomanes de la bonne musique à ces trois grandes soirées. Alors donc, trois grandes dates à retenir. Le vendredi 4, c'est-à-dire aujourd'hui, à partir de 20h, la soirée de reconnaissance et de remerciement à sa meilleure clientèle, suivie de la dédicace du groupe Assistant 12 DJ, c'est-à-dire les DJ de la maison, que voici en ce moment, qui sont avec moi. Et l'artiste invité ce jour-là, aujourd'hui, l'artiste invité, c'est Ariel Chenet. C'est un arrangeur, il fait aussi de la musique, il fait partie du groupe de la Eurogang. Il sera là ce soir. Et ça, c'est pour la soirée du 4, c'est-à-dire aujourd'hui. La soirée du dimanche 6, alors on aura du Zouglou Live. C'est pourquoi j'ai à côté de moi Tonton Zéla. Il sera là avec le groupe Melody Star au grand complet. Ils viendront confirmer et remercier encore les clients de leur présence parmi nous depuis l'ouverture, parce que l'ouverture, on était là, on a annoncé, c'était le 12. Et le mardi 8, ça c'est l'apothéose. Le 8, on a la soirée des Barbares. Avec des bordeaux de Louisiana, qui sera là. Et il vient pour dédicacer son dernier single, appelé Transformers. Et en même temps, c'est le fils du président Belge Guichet Fermé. Donc, le président Belge Guichet Fermé, lui-même a été spoté dans le morceau. Donc, trois grandes dates à retenir. Le 4, c'est-à-dire aujourd'hui. Le 6, Zouglou Live. Et le 8, avec la soirée des Barbares. Donc le 6, c'est avec Tonton Zéla. Le 6, c'est avec Tonton Zéla dimanche. Tout cela cadeau.
Voilà. Tout, tout sera cadeau. Cadeau, franchement. Et c'est où le stade de France Plus? Le stade de France Plus est au double plateau derrière ce côté. Cité des Oliviers. Cité des Oliviers. Voilà, je préfère. 50 mètres. Même si ça fait des rimes. Non, non, on évite de faire de la publicité. D'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. D'accord, donc un téléphone ou des téléphones? Oui, le 59 49 94, le 07 22 80 94 et le 06 87 92 18. Très bien. Rendez-vous est pris également avec lui, ce sera pour le dimanche. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Mbois, Alex Patrick, monsieur bonjour. Bonjour Marie. Madame bonjour. Vous nous parlez de Challenge NC? C'est bien cela. On vous écoute. 2014. Alors, le Challenge NC 2014 est une célébration au cours de laquelle les anciens de l'ex-ENSTP, c'est-à-dire le STP, se réunissent autour d'un thème pour repenser l'avenir de la filière, c'est-à-dire la filière de formation ingénieur travaux publics, et aussi pour célébrer, souhaiter pardon, la bienvenue aux nouveaux ingénieurs, c'est-à-dire la promotion 2014. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va s'organiser? Alors, il faut dire que cette année, le challenge se déroule en deux étapes. Il y a une première étape, c'est-à-dire la cérémonie au cours de laquelle les anciens viennent se réunir autour du thème pour repenser l'avenir, qui se déroule aujourd'hui et demain, c'est-à-dire du 4 au 5. Et une deuxième étape qui consistera à remettre des attestations de réussite aux ingénieurs nouvellement sortis. Et celle-là se déroulera le 23 août. Mais en ce qui concerne la célébration du 4 et du 5, nous aurons d'abord un gala sportif ce soir à Yom Soukro au complexe sportif de l'INPHB Sud. Ensuite, demain matin, nous aurons la conférence qui aura pour thème contribution de l'ingénieur des travaux publics pour l'objectif Côte d'Ivoire payer maison à l'horizon 2020. Après cette conférence-là, le soir, à partir de 19h, nous aurons le gala, le dîner gala à l'hôtel et par le Montel. D'accord. Vous, madame, qu'est-ce que vous avez à nous dire de complémentaire et puis conclure? Bon, nous aimerons adresser des mots de remerciement d'abord à toutes les personnes qui nous ont soutenus, en l'occurrence notre parrain, le directeur général de la SODECI, et tous nos différents sponsors et les anciens. Et aussi, nous aimerons demander à tous les aînés de venir à cette manifestation parce qu'elle constitue une plateforme d'échange et nous avons besoin de discuter un peu sur certains problèmes du métier et de trouver des mesures palliatives. Et vous avez dit que c'est où? À Yom Soukro. Pour la première partie à Yom Soukro et la deuxième partie à Abidjan. D'accord. Vous nous rappelez les dates et puis un téléphone? Ok. La première partie se commence du 4 au 5. Et aujourd'hui, à partir de 18h30, nous aurons le gala sportif. Et demain, à partir de 9h, nous aurons la conférence. Et à 19h30, le dîner gala. Comme téléphone, madame? 09 83 16 02. Et aussi le 09 78 58 54. Merci à vous. Merci, Marianne. Bolo, oui, bonjour à vous. Bonjour madame. C'est le week-end folie au tire-bouchon. Vous nous présentez votre artiste? Oui, lui c'est Atuto Kwata. Vous pouvez parler beaucoup plus fort. Lui c'est Atuto Kwata. Très bien. Oui, je suis sur ce plateau pour parler d'un événement qui va se dérouler sur 3 jours. Au Maquis le tire-bouchon, situé à Oputo Sol Béni, à 100 mètres de la gare d'Oputo. Oui, pour ces 3 jours de folie, ce vendredi, nous avons l'artiste qui est la Rivaldo pour la soirée coupée décalée, le créateur concepteur de la demoiselle, mademoiselle surtout, et samedi, à Tito Pata, en concert live avec l'orchestre Force de Frappe, et pour la clôture dimanche, il y a les pro-voyeurs qui seront là aussi, de la grande partie, ceux-là même qui ont fait bonjour 2014 avec le Magnifique. D'accord. Très bien. Alors, toutes ces stars hein, seront en attraction au tire-bouchon. Et c'est où le tire-bouchon, vous avez dit Vendredi, samedi et dimanche. Vendredi avec DJ Rivaldo, aujourd'hui même, de 20h à l'aube. Et demain, 20h à l'aube, à Tudo Pata, en concert live avec l'orchestre Force de Frappe. Maintenant, pour le dimanche, les pro-voyeurs. D'accord. Ils seront là. Très bien. Alors, maintenant, vous nous donnez le téléphone et puis vous nous redonnez la localisation de tire-bouchon. Pour le téléphone, c'est le 47 21 46 23 57 75 89 84. Le maquis, c'est le tire-bouchon. Il est situé à Mputo, Sol Béni, à 100 mètres de la gare de Mputo. D'accord, merci à vous. Merci.
Monsieur Prince, manager. Bonjour. Monsieur, bonjour. C'est la soirée Jean-Jacques de Moreau, bonjour, il est là également, bonjour. On vous écoute. Effectivement, Jean-Jacques de Moreau, ce soir, sera en attraction à la discothèque bar le F14, qui est assise à la Riviera 2, rue Alpha Blondy. Alors, c'est une soirée des Siciliens parce que Jean-Jacques de Moreau n'est plus une personne à présenter. C'est l'un des précurseurs du coupé décalé. C'est eux qui ont vu naître le coupé décalé à Paris. Et bien, il sera ce soir bel et bien au F14 discothèque bar. Voilà. Et donc, pour vous dire que le F14 discothèque bar est situé au sein d'un complexe hôtelier. Voilà. Où il y a un hôtel, un restaurant et puis le F14, voilà. Là-bas, on organise des anniversaires, réceptions de mariage, baptême et autres. Voilà, donc ce soir, ça sera feu, tout flamme à la discothèque bar le F14. Voilà. D'accord. Et bien sûr, vous invitez vos femmes. Bien sûr. D'abord, je bénis le Seigneur pour tous ces moments qu'il me donne comme profit. Et je dis merci à tous mes fans qui me soutiennent tous les jours. Alors ce soir, la caravane Gigi des Tours s'arrête au F14 pour toujours propulser le Makolo et donner une panoplie de chorégraphie. Et donc, je vous invite tous du côté de la Riviera 2 ce soir. Ensemble, on va partager un moment assez exceptionnel. Venez découvrir le Marco. Très bien. Vous avez dit que le F14 est où exactement? Le F14 est situé à la Riviera 2, la rue Alpha Blondy. Voilà, le F14 est là. C'est un complexe hôtelier, le Lima. Voilà, donc on vous attend nombreux ce soir parce que ça sera un show des Siciliens avec le nouveau concept de GJD plutôt. Voilà, le Makolo. Ça, fallait s'y attendre aussi. Oui, il y a souvent la nuance. Ouais. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Merci. Voilà, à les contacts rapidement. S'il vous plaît. Voilà, le 48 31 31 29, le 41 32 75 80, également le 40 65 22 60. Merci à vous. Merci bien. John, j'aime bien le Zaibo, il n'est pas là, mais. Zaibo J. What's up, babe? Bonjour. Comment vas-tu? Il est avec Ras Julian, bonjour. Et yeah, Ras Julian, voilà, qui est donc l'une des pièces maîtresses de ce que la Côte d'Ivoire pourrait considérer comme la véritable lucarne accordée donc à cette musique qui appartient aux fils de Dja pour véhiculer donc des musiques de valeur. Donc c'est pour cela que nous sommes sur ce plateau, pour dire que le reggae prend le contrôle et le Rasta veut donner donc un esprit de fighting spirit pour dire que never give up the fight, quelles que soient les difficultés auxquelles on est confronté. La Côte d'Ivoire, son festival qu'on appelle 24 heures reggae, qui démarre aujourd'hui, ça va être donc une rencontre, ça va être une sorte de jamboree chaque année. Donc quand on est fanat de reggae, quand on est pénétré par une certaine philosophie Rasta, je vais dire que on note sur le calepin que 24 heures reggae désormais fait partie de notre quotidien. D'accord. C'est pourquoi je suis là, juste pour utiliser ton antenne, pour dire au monde que quelque chose se prépare et que ce n'est pas une vue d'esprit quand on dit qu'Abidjan est la troisième capitale du reggae. Et c'est la présence de Ras Julian sur ce plateau. Très bien. Alors, c'est aujourd'hui et demain. C'est ça. C'est un grand événement, vous en parlez. Tout à l'heure, vous étiez sur RTI2. Enfin, j'ai observé avec beaucoup d'attention. Dès qu'il s'agit de toi, bien sûr. Merci. Et on a réalisé que Mme Rita Marley, c'est donc, qui est donc marraine de cet événement. On ne pouvait pas faire un festival de reggae sans choisir donc l'épouse du King. C'est pour cela que nous avons été heureux qu'elle ait voulu bien associer son image. Bon, elle est là, elle est arrivée. Elle sera là incessamment. D'accord. Vous savez, elle gère deux fondations, celle de Bob Marley et puis sa propre fondation. On n'est pas sans connaître qu'elle habite à un pas d'ici, à une heure de vol de la Côte d'Ivoire, donc au Ghana. Donc, je veux dire, c'est des moments extraordinaires. Donc, on vient avec son petit sac. Et on ce sera où, au Palais de la Culture? Au Palais de la Culture, d'accord. Ouais, à l'espace Place aux Livres. Voilà. Donc, aujourd'hui et demain, on vient avec le sac, on reste jusqu'au lendemain. Au lendemain. C'est combien d'entrées? 2000, et puis 5000, et puis on vient voir, on vient écouter Ras Julian. Il faut vraiment l'écouter parce que je veux dire qu'il va venir purifier les gens qui feront. Oui, ça, il aime bien ce mot, purifier. D'accord, il nous reste 20 secondes. Oui. Pour conclure? Ben oui, il va conclure. Bien, Maman Maram, je lance un appel à toute la Côte d'Ivoire entière d'être là. Ensemble, nous allons magnifier et matérialiser le psaume 133 qui dit « Il est agréable de voir des frères et sœurs demeurer ensemble. » D'accord. Dans le nom de Dieu, Rastafari. Un téléphone. Vous pouvez refaire ça? D'accord, 06 30 33 21.
06 30 33 21. Un dernier pour la route. Bou, bou, paf. Merci bien. Vous serez purifié, Rastafa. Merci bien. Dacier. Excuse-moi, excuse-moi. J'ai bien prononcé. Dacier Ouin Alain. Bonjour, monsieur. Et monsieur Koulaï Mouria. Ok. C'est cela? C'est ça. Messieurs, c'est l'investiture de la. Allez-y. De. Ok, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous sommes sur ce plateau pour parler de l'investiture de l'Association des Jeunes Unis des Petits Yokuegui-Trozon. D'accord. Qui aura lieu demain. Mmh. Samedi 5 avril au Vénus à Yopougon. Oui. Et donc nous sommes là pour inviter tout le monde à venir prendre part à cette grande fête de retrouvailles de la jeunesse. Ouais. Et donc au-delà même de cette investiture, nous sommes là aussi parce que notre village Guitrozon, Petit Yokwe, a réellement souffert des affres de ces nombreuses crises que nous avons connues. Et donc nous sommes là pour lancer un appel afin que les personnes de bonne volonté viennent apporter leur aide à Petit Yokuegui-Trozon. Parce que réellement, notre village en a besoin. On ne peut pas s'étendre dans les détails, mais dites-nous, samedi 5, qu'est-ce qui se passe? Samedi 5, nous serons à cette soirée, cette investiture qui prendra la forme d'une soirée de bienveillance et de collecte de dons aussi, pour pouvoir les faire apporter un boum au cœur à nos parents qui sont au village. Et donc, c'est sur tout ça, nous venons inviter la diaspora, nos cadres, tous les dirigeants, afin qu'ils nous viennent en aide. Parce que réellement, Petit Yokuegui-Trozon souffre. D'accord. Voilà. Quel est votre mot de fin puis le téléphone, monsieur? Madame, veuillez nous excuser. Cette fête est parrainée par le ministre Adama Tungara. Voilà. Adama Tungara, le DGA de la Sotra Béché Dossimon. Sous la présence effective de Mme Didibo, maire de Dioko Taïd Laou, le président de la mutuelle des pays de Côte d'Itrezon, M. Ricardo Simon, le vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, pays de Côte d'Itrezon. On est obligé de conclure. Il ne reste plus qu'à donner le téléphone, je suis désolé. Allez-y. Ok, les numéros de téléphone sont les suivants. Je suis vraiment désolé, mais c'est madame. Pour rien. On est obligé de conclure avant de nous prendre l'antenne, monsieur. J'y suis pour rien. Les numéros de téléphone sont les suivants. 2x56-79-58-08-47-46-99 et le 46-63-75-69. D'accord. Très bien. Votre phrase, c'était quoi? C'est pour remercier aussi ceux qui nous aident présentement et qui continuent d'aider Mme Béa, tout notre cadre. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à vous. Monsieur Ibé, le fonctionnaire, allez-y. Oh, pas de course, hein, mais super course. Oui, oui. Majestic Nightclub, on en parle. Oui, Majestic Nightclub, sachez tout simplement, s'il faut le retenir, voilà, vous le constatez bien, c'est dimanche, lundi, le grand live avec l'orchestre Zumbabay. C'est du tout, c'est de la variété, c'est complet, et surtout on s'exerce à la musique, à la chanson, avec ce superbe orchestre qui vous distille de la très bonne musique de tous les dimanches, le lundi à partir de 21h au Majestic. Et n'oubliez pas que le mardi également, on fera un crochet toujours en Zouglou avec le groupe Révolution, voilà, qui sera en live à partir de 22h également. Donc il faut retenir, chers amis, chers consommateurs, amis qui nous soutenez tous les jours, sachez que c'est tous les dimanches et lundis Zumbabay, c'est en live au Majestic Nightclub. Nous sommes situés à Yopougon, c'est qui va à gauche et à 100 mètres, c'est pas loin, vers un hôtel, voilà, c'est pas loin. D'accord. Et tout, c'est tous les jours, les dimanches et lundis. N'oubliez pas le vendredi, samedi, dimanche, les belles soirées avec nos meilleurs DJ du moment. Donc dimanche et lundi, c'est Zumbabay en live et ce mardi, vous aurez Révolution. Majestic est situé, Yopougon, Sakidiba à gauche. C'est simple, et contactez tout simplement le 07 05 57 93 ou le 07 260 830. Majestic, venez et vous verrez. C'est le chef d'orchestre du groupe Zumbabay. Voilà, l'orchestre qui vous distille de la bonne sonorité. Tous les dimanches et lundis à partir de 21h, venez et vous verrez de quoi il s'agit, car c'est de la très bonne musique, de la très bonne ambiance. Et surtout, c'est un cadre très somptueux. Tous les dimanches et lundis, Zumbabay. Et ce mardi, vous aurez le groupe Révolution. Donc, appelez tout simplement le 07 05 57 93 ou le 07 26 08 30. Le Majestic, c'est la maison qui Merci vous ressemble vous. Et c'est tous les jours. Alors, nous avons un communiqué à vous lire pour terminer. Jour J-2, en ce qui concerne la RTI Nouveau Talent, la RTI organise un concours de scénarisation réservé aux jeunes de 40 ans maximum, les dossiers à fournir. Faire le synopsis, juste une page, description des personnages clés, caractère et psychologie. 3 premiers épisodes, mais un épisode est accepté, le CV de l'auteur.
Vous déposez le dossier au Burida qui vous délivrera un récépissé à joindre au dossier qui doit parvenir à la direction de la fiction et des documentaires. Le dernier délai est le 6 avril à minuit. Notez bien qu'une permanence est assurée le samedi et le dimanche pour réceptionner les derniers projets pour les retardataires. Vous pouvez appeler au 05 95 55 35, le 02 59 11 11 ou le 08 18 68 08. Cette broderie, j'ai été habillée par Kone Djeneba Tah. Je vous remercie. À la semaine prochaine. D'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Alléluia, praise the Lord. Aboyina vous, alléluia. Alléluia, praise the Lord. Aboyina vous, alléluia. It is time for us to glorify the name of the Lord in a wonderful way. Are you ready to pray the Lord? Join me to pray the Lord in a wonderful way. Hallelujah.